Mon Dieu. Machinois ou pole dance? Barre verticale. Où en es-tu dans le processus de création? Ah, c'est un peu plus concret comme question, c'est bien. J'en suis où? On peut dire qu'en termes de temps, il doit rester à peu près un tiers des résidences, un peu plus, sur vraiment les temps de travail. Après, en termes de temps, non, ça fait beaucoup plus que ça que je travaille dessus, parce que c'est des processus qui durent longtemps, la pensée d'un spectacle. Et en plus, celui-là, il est né de la dernière création. Assez rapidement dans ma tête, mais ça fait déjà 3 ans quand même que j'y pense. Voilà, c'était court ça. Hein, tout ça tu vas couper hein, parce que. Peux-tu nous parler de l'espace scénique de Dick Love? Une particularité. Alors, une particularité qui n'est pas propre au spectacle Dick Love, mais c'est un spectacle qui sera en trifrontal avec un palc. C'est-à-dire c'est un espace de jeu où j'ai ma scène, mes gradins, sur lesquels les gens sont disposés en trifrontal. Donc il y a aussi un fond de scène où il y aura la personne qui est au son, qui fait la musique, Lucas Barbier, et la personne qui s'occupe de la lumière, qui seront aussi à vue tout le temps. Peut-être ça, c'est plus la particularité. C'est qu'ils sont carrément en fond de scène avec moi, un peu sur les côtés. On ne sait pas exactement encore la position. Mais voilà. Et puis, le palc, c'est un endroit qui est fermé quand même. C'est comme si j'avais mon propre petit théâtre que je peux emmener un peu partout. Pour moi, c'était un peu une première étape pour mettre un pied dans la rue, à l'extérieur, et pouvoir sortir un peu des boîtes noires... toute faite, quoi. Et pouvoir aussi jouer dans d'autres cadres. Voilà. Oh, il en reste tout ça! Alors, talons ou basket? Basket à talons. Évidemment. Alors, pourquoi le titre Dick Love? Alors, Dick, c'est de l'allemand. Ça veut dire épais. Et Love, c'est une marque de thé. Donc ça représente un peu le thé un peu épais qu'on peut retrouver au fond de sa tasse. Et sinon, moins sérieusement, j'ai fait un premier solo qui s'appelle Diktat, qui était sur le diktat du regard des autres, sur la représentation, sur tous les carcans qu'on pouvait s'imposer à soi pour pouvoir être comment dire, bien repéré dans une société, bien à sa place, et aussi que la société nous imposait, et pouvoir un peu jouer avec tous ces codes-là, dont celui du genre. C'est pour ça que je le pousse dans Dick Love. Et j'avais du coup amorcé ce travail sur le genre dans Diktat et que j'avais envie de continuer. Donc pour moi, Dick Love, c'est un peu une digression de Diktat, donc je trouvais ça chouette de pouvoir retrouver une consonance dans le titre. Et sinon, le dick en anglais, ça veut dire beat. Love, ça veut dire aussi en anglais amour. Faut être angliciste aujourd'hui, anglican. J'ai des conneries. Non, ça tu pourras couper. et du coup, je trouvais ça intéressant. C'est un peu osé. Et puis en même temps, je trouvais ça marrant que ça puisse dire épais, grand amour aussi, si on mélange l'allemand et l'anglais. Et en même temps, l'amour de la beat, vu que je vais jouer avec ma beat. Dans ce prochain spectacle. Voilà, qui n'est pas du tout interdit au moins de 8 ans. Je vais chercher... Ah non, je sais.